Alors salut tout le monde, ça va? Vous avez passé une bonne journée? Voilà, super, effectivement. Allez encore, allez, vous avez passé une super journée pour cette première Vox Luxembourg. Voilà, parce qu'il y a quand même une belle équipe qui a organisé ça, mais on en parlera juste après. On en parlera juste après. Donc enchanté, je suis Thomas de Commit Strip, un blog que vous connaissez peut-être dédié aux développeurs. Donc on parle d'une keynote de clôture, mais entre vous et moi, c'est pas une keynote de clôture. C'est une vaste blague de clôture, mais voilà. Alors, il se trouve que, voilà, la dernière fois, d'ailleurs, c'est la première fois que je viens au Luxembourg, à vrai dire, hein, donc j'espère que vous avez appris plein de choses et que, voilà, vous avez passé une belle journée. Moi, j'ai passé une super journée au Luxembourg, au Vox Luxembourg, pour la première édition. Et d'ailleurs, quand j'ai dit à ma mère que j'allais au Luxembourg, elle m'a dit « Ah bon ? Il y a des codeurs, il y a des développeurs au Luxembourg ?» Ouais, je pense qu'il y a la moitié qui bosse dans les banques et l'autre moitié à la Commission européenne, un truc du genre. Enfin, plus le Parlement européen, voilà. Bon. Et elle me dit, ah bah, du coup, il y a des gens qui bossent là-bas et ils font de l'ordinateur, en fait. Je dis, ouais. Et effectivement, on fait partie des métiers qu'il faut sans cesse expliquer et réexpliquer sans quoi effectivement, bah, on finit toujours par faire de l'ordinateur. Alors, il n'y a pas très longtemps, je me suis mis en tête de lui expliquer une bonne fois pour toutes c'était quoi notre métier. Alors je vous dis à tous, hein, amis, collègues, confrères, je vous dis bienvenue. Bienvenue dans la session la plus technique, la plus difficile, la plus pointue de Vox Luxembourg, le code expliqué à ma mère. Donc je lui explique que je suis codeur, que je code des applications, voilà, genre, c'est mon métier. Et elle me dit, ah bon ? Je croyais que tu étais ingénieur informaticien, et que tu faisais des logiciels. Bon, je me suis dit, on va commencer par le commencement. Je vais commencer par lui expliquer c'est quoi la différence entre un ingénieur, un codeur, ou que sais-je, voilà. Donc, je lui dis, écoute, un codeur, comme son indique, c'est simple, eh ben, il code. À l'opposé, l'ingénieur informaticien, eh bien lui, code aussi. Alors il y en a certains qui, voilà, qui se disent lead développeur, ben il code aussi. Alors il y a aussi les DevOps, bon ben la réalité c'est qu'il code. Le DevOps, alors il y a aussi le data engineer, le développeur full stack, même l'analyste programmeur, voilà, tout ça, ce sont des gens qui codent. Alors, je lui explique à ma mère, hein, tout le monde code, on écrit du code pour faire des applications et des logiciels, voilà. Elle me dit, ah bon ? Ben, c'est comme Jérémy, le fils du voisin. Je lui dis, non, ça n'a rien à voir, Jérémy est sysadmin. Eh oui, sysadmin. Donc Jérémy, ami d'enfance, avec qui voilà, on découvre l'informatique. Vous avez sans doute vous aussi des amis avec qui vous avez découvert l'ordinateur. Et à l'époque, pour ma part, c'était dans les années 1990. À l'époque, nous n'avions qu'une seule question en tête: Pentium ou 486. Eh oui, heureusement l'ordinateur individuel était là pour nous aiguiller avec son test, sa disquette fournie, et bien sûr voilà, le test pour savoir si nous étions prêts pour Windows 95. Eh oui, et bien sûr qu'on était prêts, bien sûr que j'étais prêt, même si le seul ordinateur que je n'avais jamais touché, c'était un vieil IBM avec deux floppy disks en cours de techno. Mais un beau jour, mon père arrive avec un ordinateur. À l'époque, je me souviens, il n'y avait pas beaucoup de constructeurs. Hein. Il y avait HP, Dell. Je me souviens aussi qu'il y avait déjà Apple, bien sûr. Hein. Mon père, lui, avait choisi un Packard Bell. Eh oui, un Packard Bell. Mais c'était un Pentium. Eh oui. Mais pourquoi avait-il choisi un Packard Bell ? Il faut le souvenir qu'à l'époque, avec peu d'internet, pas de crack, pas beaucoup d'open source. Eh bien, un des arguments de vente majeurs des constructeurs, c'était les logiciels inclus. Les fameux logiciels inclus. Et avec Packard Bell, on avait 40 logiciels inclus, incontournables, sans quoi l'ordinateur perdait toute sa raison d'être.
Et parmi ces logiciels hautement incontournables, il y avait notamment, sur cette bête de course, il y avait notamment CorelDRAW. Non, personne n'a jamais utilisé CorelDRAW. Ah, il y a même des mythes, des gens qui font croire qu'ils utilisent quoi. Il y avait le mythique ou mystique École Dauphin. Voilà. Et feu Microsoft Works. Feu Microsoft Works qui pourtant nous a été bien utile. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Microsoft Works, qui sont trop jeunes, bon, c'est Microsoft Works est à Office, ce que voilà, Notepad est à WordPad. Bon. Et donc, effectivement, à l'époque, on avait des petits problèmes des fois avec ces programmes. Et il y a une option qu'il y avait à l'époque et qui n'existe plus aujourd'hui, et je le regrette parce que c'est une option qui nous a été pourtant bien utile, le bouton turbo. Et oui, le bouton turbo, dont entre nous, les secrets de fonctionnement du bouton turbo étaient réservés aux plus experts d'entre nous. Eh oui. Mais je vois déjà certains se dire, oh là là, il a commencé à coder, son premier ordinateur, c'était un Pentium 100 MHz. C'est un gamin. Et c'est vrai. C'est vrai qu'à ce titre-là, je suis certainement un gamin. Donc je voudrais saluer ceux qui, parmi nous, les anciens, qui ont pu commencer à coder sur des machines ancestrales, telles que ce genre de TI-99 des années 79. Ceux qui ont commencé à coder, par exemple, sur un Epson Abacus à deux floppy disks. Et bien sûr, on ne peut pas manquer ceux qui ont commencé avec le fameux Commodore 64. Voilà, bravo les gars! Avec un processeur culminant à 1 MHz pratiquement, voilà. Et 64 kilo-octets de mémoire RAM, alors là. Mais pas tout utilisable, alors là, l'arnaque. Alors là, ils t'ont bien arnaqué. Mais voilà, bon, pour ma part, pour la génération, que je pourrais même qualifier la génération Windows 95, hein, désolé, il y avait un truc incroyable dans Windows 95, c'était le menu accessoire. Et ouais, c'était une véritable boîte au trésor. On pouvait passer l'après-midi entière dans le menu accessoire. Tu commençais par la loupe. Alors la loupe, tu t'expliques, tu prends ta souris, tu zoomes ton écran et t'es content. Deuxièmement, le magnétophone. Le magnétophone, tu pouvais t'enregistrer en faisant 1-2-1-2, remplir ton disque dur de fichiers WAV énormes, d'une minute maximum, même si certains hackers avaient déjà réussi à dépasser la limite des 1 minute. À l'époque, je trouvais ça incroyable. Mais comment font-ils? Donc, le métophone. Et bien sûr, bon, on en parlait, le Notepad, et sa version sur stéroïde, le WordPad. Et les jours sombres, la calculatrice. Bon, en version scientifique, que de boutons. Mais il y en avait un dont je me souviens particulièrement, c'était bien sûr Paint. Je me souviens, le premier jour où tu utilises Paint, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta souris, tu essaies d'écrire ton nom, c'est très moche. Et là, moi, je dis à Jérémy, dis donc, ta souris, c'est de la merde, elle écrit mal. Mais je m'en faisais pas, à vrai dire, parce que je savais à l'époque que plus tard, je serais comme les grands, je ferais des cliparts sous Paint. Enfin, je m'étais dit qu'ils faisaient sans doute les cliparts sous Paint, parce que bon, je vois pas avec quoi d'autre ils auraient pu les faire. Vu que personne n'utilisait CorelDRAW. Voilà. Mais en fait, il y a un autre souvenir que j'ai, quelque chose qui me donne presque voilà, la chair de poule. Enfin, en tout cas, à l'époque, ça me donnait vraiment des sensations, c'est... Ce sont les économiseurs d'écran. Et voilà, ce genre de truc qui, même si aujourd'hui... en fait, dans mon souvenir, c'était quand même HD Retina, ce truc. Hein, mais bon, là... Bon, c'était pas un jeu, dommage. Mais bon, voilà. Voilà ce qu'on avait quand on trifouillait le menu accessoire. Mais voilà, menu accessoire, à un moment donné... On a fait le tour. Donc, en tant que futur codeur, en tant que futur bidouilleur, Jérémy et moi, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre ces deux points/Windows. Et là, on commence à cliquer sur tous les fichiers exe qu'on trouve.
Bon, la plupart du temps, il ne se passe rien. Heureusement, une fenêtre d'eau surgit et disparaît. On ne sait pas de quoi il s'agit. Mais il y a une fois, je m'en souviens, il y en a un qui m'a marqué. C'est un qui s'appelait defrag.exe. Alors, defrag.exe, c'est génial. Tu pouvais passer l'après-midi, mais il y avait un truc qui était chiant. C'est que tout remontait. Et puis, des fois, tu avais des carrés rouges. Tu avais envie de dire, mais c'est quoi votre problème, les gars? Faut remonter, quoi. T'étais dégoûté. Tout était bien rangé et tout. Et c'était defrag.exe. Voilà. Qui n'y a pas passé une demi-journée, voilà, à regarder son disque dur se faire défragmenter. Mais, et voilà, une fois qu'on avait fini de trifouiller le menu accessoire, une fois qu'on avait cliqué sur tous les fichiers exe qu'on pouvait trouver, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, on finit, bon, on piratait pas vraiment encore, hein, donc on va tranquillement, légalement, au magasin, acheter un logiciel. Acheter notamment un jeu. Je me souviens, le premier jeu que j'ai acheté, donc tu vas au magasin, c'est une grosse boîte, t'es content, c'était Half-Life. Donc j'achète Half-Life, je rentre chez moi, je prends la boîte, je regarde derrière, il me manque 50 mégaoctets. Et là, qu'est-ce que je fais? Je demande à un expert, bon voilà, Jérémy, 12 ans, mais expert quand même, le seul que j'ai sous la main. Je lui dis, écoute, il me faut 50 mégas, il me dit, ok, très bien. Tu t'en sers souvent, là, ton logiciel System 32? Bon. Vous connaissez la suite. Sauf que moi, mon père, hein, voilà, le lendemain, il avait vendu Pacarbel, le loup de l'ordinateur, pour faire le sous-publisher, le menu de mariage de ma sœur. On adorait faire ça, sous-publisher. Donc, ordinateur down, direction boulanger. Bon, le magasin Ifi, hein, pas l'autre. Moi, je comprenais pas quand j'étais petit. Mais bref, direction boulanger, et là, miracle. Le miracle. Un nouveau Windows. Et honnêtement, la sensation de l'OS fraîchement installé, c'est une sensation que je qualifierais de vraiment miraculeuse. Eh oui. Mais donc voilà, avec ce nouveau PC qui marche bien, eh bien, moi et Jérémy, on décide, bien sûr, on a tout bricolé, de se lancer dans une carrière de codeur, de développeur. Très bien, allons-y. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On rejoint une école d'ingénieurs et d'informatique. Et qui est-ce qu'on retrouve en école? Les camarades de promo. Et il y en a certains de ces camarades dont je me souviens encore, certains qui m'ont un petit peu marqué, et notamment un. Hein, alors, il y a le mec qui vient à l'école juste pour télécharger. Alors, tu te demandes bien ce qu'il vient télécharger. Voilà. Mais il y avait la fibre, donc il était content. Il y a le mec, il y en a un autre dont je me souviens, le mec, toi, pendant que tu supprimes System 32, lui, il passe une certification Cisco. Eh oui, très bien. Sinon, il y a un autre mec, je me souviens. Toi, bon, nous, on aime bien coder. Des fois même, on code le soir, le week-end, voilà. Mais il y en a qui viennent en école d'ingénieur, ils ne veulent pas coder. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent être chef de projet. Eh oui, bien sûr. Donc voilà quelques personnes dont on se souvient, mais il y a une personne dont on se souvient un peu plus. Il y a une personne dont on se souvient, tu sais plus ou moins d'ailleurs où est-ce qu'elle est assise dans l'amphi, tu sais même quelles sont ses options quand elle vient en cours. C'est la fille de la promo. Eh oui. La fille de la promo. Mais de tout cela, encore une fois, il y en a un dernier dont je me souviens. C'est un sentiment mêlé d'interrogation et d'admiration. C'est le mec, il paye son année, 5 000, 10 000 euros, et il ne vient pas. Tu te demandes ce qui se passe. Encore le mec, il va à l'école, c'est gratuit. Enfin, il s'inscrit à la fac, c'est gratuit. Bon, ok. Là, le mec, il ne se démonte pas, il ne manque pas de panache, il paye et il ne vient pas. Eh oui. Et donc voilà, voilà comment on en vient à devenir codeur, l'école, et on sort de l'école, moi et Jérémy. Et là, à ce moment-là, j'ai eu la chance, à ce moment-là, de sortir de l'école et de croiser un vieux codeur qui m'a donné d'excellents conseils. Il m'a dit, Thomas, pour réussir ta vie et devenir codeur, il y a des compétences indispensables que tu dois maîtriser. Voilà. Donc, la première, savoir installer une imprimante. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école, et je le regrette, puisque tôt ou tard, vous ferez face à ce challenge à l'école, en entreprise, bien sûr. Vous ferez face
à ce challenge. Donc, par exemple, moi, une fois, bien sûr, j'ai réussi à imprimer une imprimante en Wi-Fi. J'ai eu une promotion. À côté de ça, j'ai un mec, un collègue qui n'a pas réussi. Bon, c'était une HP LaserJet, je ne sais pas quoi, donc c'était le niveau hard quand même. Bon, mais... Et le mec, aujourd'hui, il code en Weber. C'est un développeur Excel. Bon, il en faut. Autre compétence utile, très utile. En fait, la dernière fois, c'est une compétence qui m'a été utile parce que j'ai un collègue qui est venu me voir qui me dit « Écoute, Thomas, j'ai un problème avec mon clavier. Les chiffres sont cassés. » Les chiffres sont cassés. Mais je lui dis « Écoute, là, j'ai sorti ma botte secrète. Le numlock. » J'ai eu une prime exceptionnelle pour maîtrise du numlock. Eh oui, j'ai sauvé des milliers d'heures de productivité dans la boîte. Et donc ça, ce sont bien sûr les compétences de base indispensables pour espérer devenir codeur un jour et être accepté dans l'entreprise. Autre compétence qui peut vous être utile, l'expertise en réparation d'Android. Mais si, en fait, il y a toujours quelqu'un dans l'open space qui ne sait pas router son Android, qui n'a plus de place pour installer des applications. Mais si, vous voyez le genre de mec qui répond au spam. Bref. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là des smartphones, je crois que je préfère les utilisateurs d'iPhone. Parce qu'un utilisateur d'iPhone, il vient te voir avec son téléphone, il est très fier, il est comme ça. Bon, évidemment, les gens qui ont un iPhone sont très fiers, ils sont comme ça avec leur iPhone, avec leur watch, tu vois. Tu leur demandes l'heure et ils te disent, tu veux pas plutôt que je te commande un Uber? Ou alors ils font, oulala, 2254 pas, va falloir que je cours. Eh oui. Non, je leur dis, en fait, je dis que je préfère les gens qui ont un iPhone, parce que quand ils me demandent un petit coup de main sur leur téléphone, je leur dis, va au Genius Bar. Ils ont des Genius chez Apple. Eh oui. Autre compétence qui peut être utile, mais plus difficile à maîtriser, la maîtrise des convecteurs temporels pour mettre en prod hier. Donc voilà les compétences. Et effectivement, à ce moment-là, on rentre sur le marché du travail. Donc heureusement, aujourd'hui, nous, je dis heureusement, mais d'ailleurs, en réalité, le travail, c'est pas ce qui manque. Hein. Nous, les codeurs, aujourd'hui, on peut travailler sur des tas de projets, il y a plein d'opportunités, on peut toucher des millions, voire des milliards de personnes sur les projets sur lesquels on travaille, c'est génial. Parce que d'ailleurs, en parlant de milliards, qui est-ce qui crée la valeur aujourd'hui? Qui est-ce qui crée la valeur? Ce sont nous. Voilà, c'est nous, ce sont les codeurs. Et il suffit parfois d'une petite ligne de code, de quelques lignes de code ou d'un petit logiciel pour créer des milliards, comme par exemple c'est un mauvais exemple, c'est un cas isolé de codeurs pas très éthiques, donc ils sont extrêmement rares dans la profession, bien sûr, puisque la plupart d'entre nous respectent le travail de des pairs et on respecte nos utilisateurs. D'ailleurs, c'est pour ça que logiquement, les codeurs font partie des gens qui piratent le moins les logiciels. Non, mais faites pas gaffe à ça, de toute façon, c'est un faux positif, en plus, moi, je ne code pas sous Windows. Bien sûr, personne ne code sous Windows, enfin, personne officiellement. Enfin, la dernière fois, d'ailleurs, j'ai un gars qui vient en entretien, il me dit, je lui dis, très bien, écoute, c'est pas mal jusqu'ici, quel OS connais-tu? Il me dit, je connais les deux, Windows et macOS. Il en manque un. Bref. Et donc voilà les codeurs. Et à vrai dire, j'ai dit à ma mère à ce moment-là, on devient codeur, on rentre sur le marché du travail, mais pour reconnaître un codeur, ils ont des petites particularités, des petites caractéristiques qui peuvent te permettre d'identifier, de reconnaître le codeur. Par exemple, une caractéristique, nous, on voit les adware. Ah non, pardon, je vais sauter une slide, mais je vais la faire quand même, on voit les adware. C'est quelque chose que je ne m'explique pas. Par exemple, nous, sur ce genre de page, on sait que le bouton démarrer, c'est un piège. Eh ouais, bien sûr. Ou alors ici, nous, toi, tu sais lequel est le bon bouton. Eh ouais. Mais le noob, lui, ne sait pas. Il ne sait pas. Et des fois, t'as pas un copain hyper noob, t'as envie de le dire deux secondes, de dire, Internet, c'est dur, non?
Ça doit être difficile. Il doit galérer quand même. Et quand tu rentres chez tes parents après des mois et tout, et là que tu vois l'ordinateur, tu dis. Ah. Et en fait, je dis que les noobs galèrent, et en réalité, nous aussi, on galère. Nous aussi, en tant que codeurs, on galère. On galère et on a nos petites galères. J'ai un ami CTO extrêmement, extrêmement compétent, hein, quelqu'un qui est capable de faire des containers dans des VM, dans des containers de VM, voilà, et de compiler le kernel Windows, voire même de refactorer le code des autres, ou même de faire des vraies estimations de temps. Voilà. Bref, quelqu'un de très, très compétent, mais il y a quelque chose sur lequel il bute. Et moi aussi, à vrai dire, c'est nommer les variables. C'est un truc de barge, honnêtement. Moi, il y a des fois, j'ai voulu tout arrêter, parce que le seul nom qui me venait pour nommer ce foutu tableau de data, c'était data. Voilà, data, var data, terminé, quoi, on n'en parle plus. Bon, effectivement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, et néanmoins, voilà, c'est parti des petits problèmes qu'on a. Et quand je dis petits problèmes, bah, il y en a d'autres. Donc notamment, on va dire, autour du codeur, cette caractéristique, la notion du temps peut devenir très volatile, très instable, notamment quand un codeur vous dit « j'en ai pour 5 minutes ». Donc il y a les 5 minutes, 5 minutes, voilà, qui, admettons-le, deviennent assez souvent les 5 minutes, voilà, une heure. Voilà. Dans certains cas, pas si exceptionnels, les 5 minutes veulent dire en fait « demain ». Et bien sûr, on ne peut pas oublier le cas où, en fait, 5 minutes signifie « oublie-moi à tout jamais ». Eh oui. Petit tracas de codeur, petite caractéristique de codeur, où on pourrait même peut-être parler de TOC, de codeur. Eh oui. Moi, j'ai un petit problème, j'ai un petit truc de particulier, c'est mon rapport avec les boîtes. Alors, en fait, je ne les jette pas. Voilà, je garde les boîtes. Je me souviens, il y a quelques années, il y a un petit moment quand même, j'ai acheté des boîtes rue Montgallet à Paris, enfin un nouvel ordinateur rue Montgallet à Paris, je ne sais pas si certains s'en souviennent. Et le mec me dit, écoute, ne jette pas les boîtes pour la garantie, tout ça, garde les boîtes. Je dis, oh, ok, le matos est à la poubelle, la garantie est passée, mais j'ai encore les boîtes dans le placard. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et donc voilà, les petites caractéristiques du codeur. Et donc, voyant ça, ma mère me dit, bah, et comme souvent elle nous l'a dit, voilà, elle voyait bien que les codeurs avaient des petites particularités, bon, notamment, elle se posait des questions sur des aspects sociaux, sociabilité, bon. Elle nous disait avec Jérémy, sors un peu, voilà, tu n'as pas d'amis, sors dehors. Je dis non, il y a Stack Overflow. Stack Overflow, c'est génial, j'adore aller sur Stack Overflow parce qu'il y a différents types de mecs, il y en a au moins un dont je me souviens que j'aime bien, c'est le mec, il a un problème extrêmement important, ça bloque tout son projet, il ne lit pas la doc, il ne va pas sur Google, il va sur Stack Overflow et il attend. Tu te demandes ce qui se passe. Ou alors il y a le mec, tu le connais aussi, c'est le mec, il a exactement le même problème que toi. Il clôture le sujet et il donne pas la réponse. Balance la solution, mec. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de forum, ben on se retrouve, nous, en tant que codeurs, des fois, à se poser des questions un peu invraisemblables. Donc moi, je fais un peu de domotique à la maison. Ben ouais, je suis codeur, je fais un peu de domotique. Vous aussi, vous codez tout. Enfin, en tant que codeur, on se retrouve souvent à vouloir tout automatiser dans la vie. Et donc moi j'ai voulu faire un truc assez simple, hein, de base, d'ailleurs c'est pas une question si simple, hein, mais en fait je veux rentrer chez moi et, voilà, condition, et il fait nuit, on allume la lumière, voilà. Donc simple. Donc je me retrouve à poser une question sur un forum, comment savoir si c'est le jour ou si c'est la nuit, voilà. Et là, il y a un mec très, très illuminé sur le forum qui me dit « Bah, regarde par la fenêtre !» C'est une histoire vraie, c'est véridique. Et il n'avait pas tort, hein, parce qu'effectivement, des fois, on reste un peu dans nos grottes, même si, en réalité, on en sort. On en sort notamment pour les rendez-vous clients. Et oui, la dernière fois, j'ai un collègue qui vient me voir, il me dit « Thomas, il y a un rendez-vous client, faut que tu viennes parce que ça va être chaud, 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 il y aura leur directeur technique, ça va être des questions de très, très haut vol. » Je suis OK, pas de problème, je suis un expert, je vais venir. Je viens.
Donc là, j'arrive au rendez-vous, 2 heures passent, le directeur technique n'était en fait qu'un chef de projet, et il y a une seule question technique de très haut vol. Est-ce que le site sera codé en HTML ? Ouais. Là, je lui dis, bah, écoute, tu auras même du CSS3 avec en cadeau. Bref, 2 heures de perdu. Et ça, c'est vrai que les codeurs, s'il y a un truc qui les énerve, c'est de perdre du temps. Eh oui, perdre du temps. Et en fait, pour énerver un codeur, il y a plein de façons. Je vais vous raconter quelques façons d'énerver un codeur, peut-être que vous allez vous reconnaître. Parce qu'il y a notamment quelque chose de particulier dans la vie d'un codeur, c'est son rapport avec l'IDE. La machine, bon voilà, bon, je ne vais pas parler plus de la machine, c'est très intime, mais l'IDE, parlons-en. Donc l'IDE, d'ailleurs, comme on passe plus de temps avec l'IDE qu'avec son conjoint, l'IDE n'aime pas non plus l'infidélité. La dernière fois, je vais modifier un petit truc dans Notepad++, voilà, et là, je reviens dans l'IDE, bah, il fait la gueule. Terminé, voilà, il est vexé. Bien sûr, il se vexe pour un rien, et d'ailleurs, même, il y a des fois, tu arrives au travail le matin, tu n'as rien fait, hein. T'allumes la machine, t'allumes l'IDE, et aujourd'hui, pas d'autocomplétion. Alors sans doute que tu as fait un raccourci clavier que tu ne connais pas, et que tu passes une demi-heure à retrouver, à annuler une option que tu as activée sans faire exprès. En parlant d'énerver un codeur, à vrai dire, il y en a un qui n'est pas le dernier, c'est assez récent, il s'appelle Chrome. Bon, on aime beaucoup Chrome, ça nous a beaucoup aidé. Bon, on va pas mettre la question sur le tapis de l'hégémonie de Chrome qui se profile, mais le problème de Chrome, c'est bien sûr la mémoire. Donc il se plaint, voilà, il n'a pas assez de mémoire, donc tu te dis, tiens, je vais mettre un peu de mémoire pour accélérer le poste de travail, et comme ça, by the way, Skype et les IDE iront plus vite, voilà, tout ce qu'on veut. Donc Chrome prend la mémoire, et les IDE, eh ben, peuvent aller se faire voir. Eh ouais, bien sûr. Autre façon d'énerver un codeur. Eh oui, pardon. Autre façon d'énerver un codeur, et certains codeurs parmi vous sont peut-être des développeurs intégrateurs CSS. Et donc, si tu as envie d'énerver un intégrateur CSS, un développeur front CSS, tu lui casses sa cascade. Ça, il déteste qu'on casse la cascade. Ou alors, si tu as envie d'énerver un bon puriste HTML front-end qui va te casser les couilles pour te dire, ben voilà, mets pas un P, mais plutôt une div, ou tu vois, mets pas un small, mais plutôt un strong, tu vois, et ben tu lui balances du BR. Ah, ça y est. Ah, ils aiment pas les BR. Ils aiment pas ça, les BR. Mais à vrai dire, pour énerver un codeur, il y a autre chose. La dernière fois, moi, je voulais juste ouvrir un. C'est le syndrome du double clic. Hein. Je voulais juste éditer un petit fichier JSON ou XML, je ne sais plus. Je double clique. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Erreur. Faute. Qu'est-ce qui se pointe ? Visual Studio. Bon, voilà, 10 minutes de perdu. 10 minutes de. Bien sûr. Encore, je suis gentil avec Visual Studio. Hein. Mais là encore 10 minutes ça va, mais potentiellement il y a des jours où bah voilà, tu as besoin d'un petit software, tu as besoin d'un petit truc, un petit applicatif pour une connerie, donc tu te rends sur les interwebs, tu tombes sur quoi, SourceForge, voilà. Tu décharges un petit exe, et donc tu fais next tranquillement, fin de journée, et là tout d'un coup, c'est le syndrome du next trop rapide évidemment. Donc là, la web search toolbar, tout ça, bon, c'est plus de 10 minutes des fois que ça fait perdre. Bon. Donc voilà comment énerver un codeur. Et d'ailleurs, il y a une autre façon d'énerver un codeur. Des fois, quand j'ai un peu envie de vanner un collègue, je lui balance un ticket, pas n'importe quel ticket, je lui balance un ticket bien vague. Ah ça, j'aime pas ça. Et quand j'ai envie de vraiment l'énerver, je lui balance un point d'interrogation, là, urgent, ça, des fois ça marche pas. Mais en réalité, ce qui énerve le plus le codeur, potentiellement, c'est les autres codeurs. Oui.
pour revenir à ma mère, la dernière fois, elle vient me voir justement, peut-être qu'elle avait envie de m'énerver, mais elle me regarde avec un petit ton de défi. Elle me regarde, elle me dit, dis donc, c'est quoi le problème avec Internet Explorer ? Dix ans d'évangélisation anti, faut comprendre, ça remonte à longtemps, hein, voilà. Et à un moment donné, non, voilà, elle me pose, c'est quoi le problème avec Internet Explorer ? Ben voilà, Internet Explorer 6 chez Microsoft, ben voilà, ils vont le payer pendant des générations. Dans 50 ans, on aura des excuses publiques en disant, on est désolé. Ben, vous pouvez être désolé, les gars. Des générations entières de codeurs ont été sacrifiés. Qui a déjà fait des PNG non transparents sous iOS 6 ? Voilà. Bref, vous connaissez la suite. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe ? On essaie de nous réconforter, nous, codeurs, geeks, voilà, hein, à travers des petits cadeaux. Alors là, c'est pas la saison de Noël, mais ça peut être pour les anniversaires, on nous donne des cadeaux. Donc par exemple, les cadeaux auxquels on ne peut pas trop échapper, un truc USB, voilà. C'est pour toi, c'est sûr, c'est pour toi. Voilà. Ou sinon, ils ont trouvé une bonne vanne sur un t-shirt drôle, voilà, bon, pareil, c'est pour toi. Autre idée de cadeau, mauvaise a priori, le Blu-ray de Star Wars. Alors... C'est simple, le Blu-ray. Soit je l'ai déjà, soit je ne le veux pas, c'est qu'il est déjà sur mon NAS. Voilà. Bon. Dernière mauvaise idée de cadeau, la licence WinRAR. Ouais. J'ai envie de dire balance la thune plutôt, tu vois, ça va financer les side projects. Eh oui, les side projects. Alors là, ma mère, elle comprend pas trop c'est quoi cette histoire de side project. Alors je lui dis, écoute maman, le side project, c'est le projet qui n'a jamais vraiment commencé et qui n'a jamais vraiment terminé. Voilà. Donc, et voilà, après lui avoir expliqué tout ça, ma mère, elle s'interroge, elle se dit, bah, en fait, toi, en tant que codeur, t'adores coder, limite, tu fais ça des fois pour le plaisir, le soir et le week-end, tu crées des choses et tout. Ouais, on écrit du code, c'est sympa, on s'amuse et on construit des choses, mais même si des fois, en fait, on peut avoir un doute parce que, est-ce qu'in fine, pour beaucoup d'entre nous, tout ce qu'on fait ne va pas simplement finir par afficher la bonne bannière au bon endroit, au bon moment ? Eh oui. Tous ces frameworks, tous ces plugins, est-ce que ça ne va pas servir in fine un peu à ça ? Ben non, faut quand même être là. Non, honnêtement, il y a des fonctions, elles sont tellement belles, voilà, qu'on a envie de dire, voilà, on a envie de les crier au monde, on a même envie de les encadrer, voilà, tellement c'est si factorisé, si concis, voilà, on a envie de, c'est du beau code quand même. C'est du beau code, même si honnêtement, voilà, je sais pas si vous, mais chaque année, tu regardes le code de l'année précédente, là tu te dis, je devais être bourré en fait. Est-ce que donc, en tant que codeur, on n'est pas voué à écrire du code idiot tout le temps? Voilà, parce que chaque année, on le remet en cause. Et quand je pense à ça, des fois, je me dis, est-ce qu'on ferait pas mieux d'arrêter un petit peu les frais, les gars, et on devrait pas bouger, faire autre chose, je sais pas, voilà, faire de la peinture, on va aller dans la forêt. Mais en fait, à bien réfléchir, non. Non, parce que j'ai un bug sur le framework à corriger, donc vous savez quoi, je vais aller le corriger tout de suite, parce qu'on n'a pas que ça à faire, donc merci de m'avoir écouté. Moi, je vais aller corriger mon bug, aller corriger les vôtres, et je vous dis à bientôt. Salut! Merci. Comistrict.com, il y a 900 strips à lire. Bonne lecture. Ça fait long. Bah, merci à tout le monde. Alors déjà, je voudrais vous remercier tous les participants. Applaudissez-vous. Hein. Remercier encore une fois tous les sponsors qui ont fait l'animation pour vous, que vous avez pu aller voir, et puis qui ont aidé l'événement à avoir lieu. Ouais, ouais, ouais. Et remercier tout le personnel du casino et de l'équipe de captation vidéo parce qu'ils ont fait un gros boulot. Et ça va... Donc, semaine prochaine, tous les talks seront disponibles en ligne. On va avoir un channel YouTube et vous pourrez aller chercher ça là-dessus.
Serge, suivez, si vous voulez être sûr de l'avoir le plus vite possible, suivez le compte Twitter du Yadjog, il a été, enfin du Yadjog ou de Vox Days, ils ont été affichés à plein d'endroits, je pense que vous avez dû le voir passer. Sinon, cherchez, vous trouverez, de Vox Days Luxembourg. C'est l'endroit où on l'affichera probablement en premier, on essaiera de l'envoyer sur tous les canaux possibles, mais on sera pas très efficace sur les autres, je pense. Et quoi d'autre? On a déjà parlé du Meet & Greet tout à l'heure, donc je pense que tout le monde a entendu. Quoi d'autre? Bah, merci à l'équipe. Hein. Est-ce qu'il y a des gens de l'équipe qui sont là? Venez, venez, venez. Allez-y, plus fort là, ouais, allez, allez. Ouais. Ouais, ça le fait. Hein. Et puis surtout, merci au népotisme, parce qu'il y a mon frère qui est en train de nous filmer. Là. Voilà, bah, c'est à peu près tout. Donc, on vous remercie beaucoup pour cet événement. On va essayer de refaire la même chose l'année prochaine. Donc, suivez un peu. On va s'y prendre beaucoup plus tôt, parce que là, on a commencé fin de l'année dernière pour le mois de juin. Là, on va commencer quasiment... Bon, c'est une petite pause. Mais on va commencer un peu dans la foulée. On va préparer l'année prochaine, donc on va essayer d'améliorer des choses. Si vous avez des idées, des suggestions constructives, destructives, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à venir nous en parler ou à envoyer des tweets ou tout ce que vous voulez ou des mails à notre adresse. Et puis voilà, moque la galère. Ouais, des sondages, des formulaires, tout ça. Mais personne n'y répond jamais, sauf s'il y a un cadeau à gagner. Donc, merci encore pour cette super keynote à tous les speakers de la journée, ainsi de suite. Et rendez-vous au Meet & Greet. Si vous n'êtes pas prévu d'y aller, bah, allez-y quand même. Venez tout à l'heure, 20h30, Brasserie Neumünster, qui sait où c'est? Vous voyez pas où est l'abbaye de Neumünster? Vous voyez le monsieur en orange, vous le suivez. Il n'y va pas, le suivez pas. Non, bah, vous venez nous demander si vous ne savez pas où c'est assez facile, si vous êtes tout le monde à bien un Waze ou n'importe quoi à suivre, enfin peu importe. Deux autres marques, là, vite. Un Google Maps, un peu importe. Non, on ne va pas faire les interactions de direction comme ça. Là. Allez lui demander, allez lui demander. Parking Saint-Esprit, voilà. Parking Saint-Esprit, et après, il y a un ascenseur qui descend dans le groupe. Et là, paf, vous arrivez direct sur l'abbaye de Neumünster. OK? OK? Ouais! Allez, une petite dernière. Ouais! Merci à vous. Bon retour.